Autorité concernée a pris toute disposition pour vraiment garder comment qui est capable d'établir la sécurité. La paix en dans pays, parce que les que nous apprenons, conseiller présidentiel qui c'est Fritz Alphonse Jean, lui parler avec directeur AGDA, la douane, disons bien, monsieur Jules Saint-Édouard, pour garder comment que question ZAM qui a rentré en dans pays. Parce que je m'oublie, en pile de ZAM qui rentré en dans pays, li passé à travers droit nou yo. En pile zam qui rentré en dans pays, ma président encore. Li passé à travers droit nou yo. Et je dis, c'est pas seulement mener opération pour déchouquer bandi à sa patio. C'est pas seulement pour ne capable marier bandi avec yo, mais si pas gen de disposition qui prend à travers droit nou yo, à travers aéroport nou yo, à travers port nou yo. Et même si la ki gen port privé yo, je dis, c'est la même ici à terre, si que n'a pas de résoudre question insécurité. La police pas chômée, la police pas gagne lundi, pas gagne mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. La police continue à mener des opérations dans fief bandi. Et, baba non mati, gagne en pile plaigné dans fief bandi et vivre ensemble. PM Gariconi, monsieur Clermont, parle pour dire que, délai que, y'a pas de baron délai, mais t'es dîner armé, yo. C'est vrai, l'État t'a demandé de déposer les armes et reconnaître l'autorité de l'État. Mais comme jusqu'à présent, l'État bien dit, ça, l'y'a délai pour lui-même. C'est l'État pas qu'à prendre une semaine, pas qu'à prendre un mois, il pas qu'à prendre deux mois, pas qu'à prendre trois mois. Mais selon PM Gariconi, l'y dit, mais normalement, l'État, gouvernement, CSPN dans la police, pral passer à l'action et pral vraiment mettre qui chône dans mes bandits armés. Désir, comment est-ce que vous êtes? Bonne toujours grand plaisir pour nous rencontrer. Nous, là, la réalité, pour continuer à informer les amis internautes qui branchent un peu de partout à travers et différents plateformes. Quel thème sa nouvelle? Les infos, pas une nouvelle, votre calbasse info, racine nouvelle Haïti. Nous, vous êtes chapeau pour nous saluer, pour nous dire merci pour fidélité à nous. Bonne situation pour le week-end et gagner. Et Nations Unies qui a adopté résolution 2743-2024 sur renouvellement mandat bureau intégré Nations Unies dans le pays d'Haïti. Nous voulons parler des Buni. C'est 15 membres dans le Conseil de sécurité qui votaient en faveur prolongation SILA qui donc et mandat bureau et politique Nations Unies dans le pays d'Haïti les prolongé jusqu'à 15 juillet 2025 cap vini là. Et autorité ont continué à réfléchir pour qu'il y ait au cap permettre qu'un sécurité en dedans pays. Décision Conseil sécurité et Nations Unies prend pour prolonger mandat bureau intégré Nations Unies en dedans pays d'Haïti. Réaction a commencé à venir. L'explication, le cas de André Michel qui dit c'est un bon bagage pour Haïti. Plus passé, tout le temps, Haïti a besoin support communauté internationale là pour débarrasser des gangs armés en dedans pays et puis rétablir sécurité, organiser prochaine élection et puis rentrer dans le chemin développement socio-politique et économique. C'est ça, André Michel déclaré. Et décision, ça, selon lui, c'est une bonne décision qui va permettre que le pays a refonctionné normalement. Ça, c'est qu'on fait dans le temps avant. Et l'autre décision qui essaie de prendre toujours, gagner et président et conseil présidentiel de transition qui renouvelle l'engagement. Bon côté parle de situation pour permettre que toute autorité en dedans pays a fait un seul qui a besoin qui est arrivé avec objectif qui est gagné qui s'est organisé élection faire référendum non et essayer donc regarder que genre élection qui a arrivé organisé en dedans pays a dans toute crédibilité et Blaise Peterson. Premier ministre Gariconi avec un ensemble membre qui fait partie conseil et des ministres T. Antonio pour yotal et faire déclaration patrimoniale à travers le gouvernement, eh bien, selon eux, ils disent c'est un pas important qui pourrait permettre que quel que soit le monde qui a venu dans l'État à travers le gouvernement, c'est là, pour respecter et chimer ça, qui va permettre que ils barrent la corruption parce que le premier ministre Gariconi a déclaré c'est zéro tolérance contre la corruption. Eh bien, lui-même, il fait privé par les personnes qui connaissent à qui ça l'entrée et à qui ça l'a gagné pour sortir, l'a quitté. Gouvernement, Blaise Peterson. Dans le département de la Tibonite, situation paraît extrêmement difficile. Et dans la journée
qui était samedi à la situation bandi exam qui dans base grand griffe en dedans ça vient dans première section communale Trivela Tibonite et bien yo tamé avec le offensif contre bâtiment commissariat Trivela Tibonite qui était abandonné depuis dans mois de janvier 2023 police était quitté espace ça bandi était déjà pillé prend ensemble objet de valeur qui était en dedans commissariat c'est là et bien après ça yo mettait du feu chambre par chambre salle par salle dans commissariat Trivela Tibonite là en l'air et en l'air dalle là yo craser vide la terre et pour qu'on y a cette démarche après jeune Angel Lou pour craser commissariat ça net c'est ça qui a fait si autorité ou pas agit plus vite que possible et bien commissariat caserne ancien caserne si rivière la Tibonite il pas existé encore dans communauté c'est là dans même journée et 13 juillet la situation bandi base gang fio fait une offensive contre base que Jovenel Moïse t'est construit méga commissariat c'est là qui dans localité Pachoual qui pas trop loin avec fonction de sous route nationale numéro 1 et bien pour être capable grand commissariat ça d'assaut c'est grâce avec vigilance policier Idmo qui était dans l'espace qui était joindre Bourade Itaga qui dans commune Verette qui permettent que yo que bandi yo pas atteindre avec objectif que yo te gagne faut que nous dire que paysan dans vallée la Tibonite bloqué route nationale numéro 1 pour empêcher circulation juste pour demander autorité qui dans la police dans plus haut niveau avec gouvernement pour répondre pour dépanner ou bien voyons l'autre blindé neuf dans département la Tibonite qui cap camper dans mitan kafou paye parce que c'est blindé qui par là qui met bandi gang fio fait ça ouvler à ça hôpital dans mitan kafou si là blessé son n'a pas rappelé Charles Chancy qui était là dans la prison pour raison humanitaire et bien li lancer officiellement pendant week-end là yon branche dans l'institut politique que assez qu'elle a dirigé dans ville Gonaïve. En pile, on a posé cette question. Est-ce que la justice suspend avec dossier Charles Echancia parce que c'est pour problème santé qui a été libéré? Eh bien, pour qu'on y a la, elle reprenne toute activité politique dans le département. La Tibonite, Blaise Peterson, ensemble, point ça y a divers lots à bon côté pas nous, pour questionner, pour analyser avec les amis internautes, cap d'adé, étendu au Blaise Peterson. Désir, m'gadi que, et je dis en là, que, ça qui est dans le pays là, et m'capable dit, et m'capable dit désir. Je dis, hein, en pile secteur, en pile acteur, ouais, que ça qui a passé dans le pays là, li mérité pour que nous gardions. Gen CPM, Jean-Michel Lapin, monsieur parlé, puisque monsieur était invité. Dans émission analyse sous métropole. Okay. Et en même temps, tout est PM Koni qui parle. PM Koni a encore montré que je dis, hein, yo pas tete langue avec Bandi. Bien que li te dit récemment, te mande Bandi yo, déposer les armes, reconnaître autorité de l'État. Il te dit ça plusieurs fois. Il te dit, les que yo tap il tap recevoir oh bon il te recevoir déjà mais les que il tap ba conférence pour te parler de rivé officier kenyan yo il te dit l'elle te sorti dans voyage États-Unis il te redit ça encore mais avec un petit bémol pour lui dire que dès que l'état alors l'état dès les négo qui écoute les gonde les qui écoute pour déposer les armes et pour reconnaître autorité de l'état. Parce que l'État n'a pas qu'à faire toute une éternité avec Bandi. L'État n'a pas qu'à faire toute une éternité à demander Bandi déposer les armes. Et de même pour des Gérard Monomil, qui te dit que là où Zeta et Banda, tout autant que soleil pour qu'on lever. Et je dis, hein, Mounio, dans Port-au-Prince, dans divers côtés, il y a levé voyou et il a demandé un seul bagaille, sécurité. Sécurité pour permettre qu'ils soient capables d'aller dans l'activité. Sécurité parce que à travers sécurité, petit sont capables d'aller à l'école. Sécurité parce que à travers sécurité, et si commerçants nous, si détaillants nous, sont capables d'aller vendre dans la rue. Sécurité à travers sécurité, nous sommes capables d'aller travailler. Sécurité parce qu'à travers sécurité, que le pays est capable de fonctionner. Diaspora est capable d'entrer en Haïti et qu'il y a un ensemble d'activités qui est capable de reprendre dans le pays. Sécurité, c'est ça qui a demandé des Yévenes qui ont venu avec et Gaël Kouni.
Bon, l'important, Blaise Pierson, pour moun yo continuer à demander sécurité, parce que insécurité, c'est poison pour tout fonctionnement de yon pays. Et ou après, c'est le pays d'Haïti, autorité qui vivait optimement des affaires, yo montré que yo confortable dans l'insécurité et au grand peuple qui pratiquement tout le temps a pissé, donc te chercher à accommoder avec situation difficile, si là, y a cherché l'autre issue. Si yo pas qu'à traverser ton son route ça, eh ben, yo arrangé ou y a l'autre côté. Et nous, dans le mois de juillet, moment ça c'est moment que quand on rentre pays a on paquet corps surtout avec Silao qui a sorti dans diaspora les personnes pour rentrer en Haïti Silao qui dans plateau central dans Sodo t'a pral gen en pile l'argent t'a pral rentrer dans économie zone ça avec fait que mon camel et vieux miracle Sodo et ben moun yo pa ka rentrer et ça fait nous Bilolo Congo et qui pratiquement fait une vidéo qui est publié sur compte X et acteur TikTok clip pour demander avec Jeff La Rose, qui était Jeff Goulois, qui fait quoi qu'elle servit loi. Et même vidéo ça adressé tout avec Baron Plenin, qui est bras, pape vrai hein, pour au moins quitter route là, pour nous être capable à le parler avec des miracles sous nous. C'est une situation qui est très grave. Tout secteur, toute couche victime de ça qui a passé en dedans pays en pleine situation, l'important pour population lancer appel à autorité et autorité qui connaît qui langage que on veut parler avec bandi en pile dans c'était dans baïsam parce que nèg là qui c'est conseil présidentiel yo connaît gagne des nèg là qui ont fait yo fait exam c'est pas bali direct mais organisation des partis politiques qui voyer là dans distribuer exam c'est eux même qui cap parler avec nèg pour négocier suspend avec terre que média ou bien yo bail la police l'armée moyen pour traquer bandi ou blessé personne. Bon, je vais venir avec KPM Koni oui là et je vais venir avec KPM Koni et Desi Venes, nous va venir avec PM Koni là. On checker sur PM Koni puisque il est important pour nous capable dans cadre activité ça que il était présent et PM nan bay Mopal encore pour et puis madame Binuyan, c'est pas doublement d'Abinu et madame Binuyan qui c'est exactement et qui c'est madame Maria Isabel Salvador qui parlait et nous va venir aller comme ça avec madame Salvador. Pour que nous capables garder avec Zami tout parce que pas oublier grand pile acteur qui réagit concernant activité ça mais nous allons venir avec PM Koni. PM Koni lui-même monsieur a encore montré que gain espoir pour Haïti, monsieur a montré que lui-même il vient pour travail, il vient permettre que et transition réussie et j'en te dis l'a fait tout ça qui n'a pouvoir pour que transition capable réussir avec conseil présidentiel. Et c'est vrai, c'est une intervention qui est en français mais nous allons faire effort capable garder et des amis comprendre bien. C'est avec une immense joie que je vous accueille aujourd'hui à l'ouverture de cet atelier. Ma présence ici témoigne clairement de l'importance que mon gouvernement accorde aux droits de la personne, ainsi que de notre détermination à promouvoir et protéger les droits fondamentaux, même dans les circonstances difficiles que nous vivons aujourd'hui. Les droits de la personne, en particulier les droits de chacun à l'éducation, à la santé, à la sécurité, à la nourriture et à une vie sans inquiétude, sur les piliers même de toute société. Leur protection et leur respect sont essentiels au développement, à la paix, à l'harmonie et à la fraternité. Depuis déjà plusieurs années, Haïti présente régulièrement des rapports relatifs aux conventions internationales ratifiées, notamment à travers le mécanisme de l'examen périodique universel des droits de l'homme. Pour rappel, et ça a été déjà dit plusieurs fois, l'EPU est un mécanisme du Conseil des droits de l'homme créé par une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies le 15 mars 2006. Il permet de passer en revue les réalisations de l'ensemble des États membres de l'ONU en matière de droits de l'homme. Chaque pays est examiné par ses pairs sur la base de son rapport national dans un esprit d'égalité et de transparence. Ça a été dit et je répète, Haïti a été examiné trois fois en 2011, 2016 et plus récemment en 2022 lors de la du troisième cycle de l'EPU. Et lors de notre dernier examen en 2022, 82 pays sont intervenus et nous ont adressé 221 recommandations. Après consultation avec la société civile et les ministres, 205 recommandations ont été acceptées. Évidemment, je tiens à reconnaître l'excellente collaboration via le Comité interministériel des droits de la personne et les Nations unies représentées par la section des droits de l'homme. Et cette collaboration a permis l'élaboration d'un projet de plan national d'action nationale des droits de l'homme, l'organisation de formations pour renforcer les capacités et la mise en place d'une base de données pour un meilleur suivi des recommandations de l'EPU.
Une campagne de divulgation des recommandations a été réalisée dans le Grand Nord et le Grand Sud, informant et impliquant les populations locales. Le présent rapport fait état de la mise en œuvre des recommandations sur les deux dernières années des efforts réalisés. Aujourd'hui, c'est donc avec plaisir que le gouvernement vous accueille pour discuter et recueillir vos recommandations sur ce rapport, car vous êtes nos premiers partenaires. Ensemble, nous devons œuvrer à l'amélioration de la situation des droits de l'homme en Haïti afin de construire une société plus juste et plus équitable. Nous devons créer les conditions nécessaires pour le respect des droits de chacun. Cela inclut la recherche de la paix et de la sécurité, la réduction de la circulation des armes et de la violence, et le retour des personnes déplacées dans leur localité pour une vie normale. Nous devons également veiller à ce que l'éducation soit accessible à tous, améliorer l'accès aux soins de santé, augmenter le nombre d'établissements de santé et de personnel médical, lutter contre le chômage par la promotion des investissements et augmenter le nombre d'écoles professionnelles, les programmes d'aide sociale dans les quartiers défavorisés. En d'autres mots, on a une bonne idée de quoi faire. Et on sait quoi faire depuis longtemps. Question fondamentale, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu le faire jusqu'à présent et qu'est-ce qu'on va faire différemment pour que dans un avenir très proche, on puisse montrer des progrès concrets sur ces différents dossiers. Parce que ce qui serait mal, c'est qu'on se réunisse encore chaque année et on a le sentiment que ces différents dossiers, ces différents défis reviennent. Il est temps que la société haïtienne, que le peuple haïtien, que les communautés haïtiennes voient, constatent, vivent des progrès réels en matière de droit dans leur vie quotidienne. Et c'est ça l'engagement du gouvernement de transition. Pour finir, évidemment, je voudrais remercier le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et la section des droits de l'homme du BIN pour leur excellente collaboration dans la réalisation de cet atelier. Je vous demande de sortir de cette pièce avec des recommandations concrètes, bien identifiées dans le temps, pour pouvoir tenir à la fois le gouvernement et ses partenaires imputables de résultats. Et je vous demande d'utiliser les différents réseaux et l'accès que vous avez pour nous rappeler de manière continue qu'on a un progrès à réaliser ensemble. Je souhaite que les représentants des institutions présentes profitent pleinement de cet atelier. Évidemment, je vous souhaite mon travail. Merci beaucoup. Ça, c'était et discours PM Gaïkoni dans un dialogue interfemme qui est organisé et journée qui c'est exactement samedi qui était 13 juillet. Hein? Côté que PM Koni, monsieur encore parlé pour dire que gouvernement l'a travaillé pour capable réduire question violence en le pays hein? Et travail pour permettre que déplacer forcé au capable retourner la caillou, établir sécurité en le pays hein? Et permettre que respecter droit moun peuple haïtien gagnent que ensemble de droits qui ont gagné qui violé. Pas oublier de toujours dire ça que li écrit noir sous blanc dans maman loi pays noir sous blanc que droit à la sécurité, droit à la manger, droit au logement, droit à la santé, droit à l'éducation. Parce que à côté de tout droit ça là PM connait dit, elle dit si moun retourne l'école, c'est droit à l'éducation. Éducation à même niveau, à même vitesse. Doit la manger, quel que soit mon te gen et pas gen, te moun en bas, eh bien, li doit capable manger. Dans bonne condition, à bien dire. Doit la santé, ça qu'arrive, moun sa gen plus gros moyen, mais faut que ça n'y ait les centres de santé publique nou yo. Faut que l'hôpital général, je dis à que la police, l'État ou pas contrôle lien, faut capable de refonctionner pour permettre que moun qui pi faible, elle prend soin la donne. Santé pas de luxe en Haïti. Et cette histoire, ou ensemble de cliniques privées, ou dit parce que l'hôpital privé, que pour mon yo, les rivières la donne, c'est l'argent avant santé, mais c'est ça, faut l'État travaille sous ça avec le secteur et santé en Haïti. Ça, c'est vraiment dérangeant. C'est vraiment dérangeant. Éducation, faut pas l'école l'ouvrir. Dans Balade Sibonite, l'école presque pas fonctionne depuis plusieurs années. Et qui est l'école là dans région métropolitaine Port-au-Prince là, il y a plusieurs mois là, il n'y a pas qu'à fonctionner. Mais faut année académique 2024-2025 qui arrive là, faut permettre que tout si monde capable tourner l'école. Si élève l'école lycée Pétion yo, élève lycée Pétion yo, élève lycée Toussaint yo. Élève qui dans l'école nationale qui dans capitale haïtienne là, faut yo capable reprendre chemin classe en septembre si Dieu veut qu'à venir là.
Il clair sous ça. Je dis, hein, je crois que l'occasion, ça que PM, non, lui-même qui mettait accent sur ensemble de droits, ça y est, je crois que le vraiment important des Yévenes. Et je dis, hein, PM Koni, en paiement, a dit que, ou parlez en pile qui a fait action. Ou parlez en pile qui a fait action, puis mon a dit. Je dis, hein, et peuple a besoin d'action, vraiment besoin d'action concrète, action qui visible, action qui réelle. Parce que jusqu'à présent, yo dit tetio, yo poko vraiment senti signal ka voye nan question insécurité, misère, rangou ganda pays des Yévenes. La situation tout pays que autorité le petit contrôle secteur éducatif là. Ils sont pays qui a marché vers déblosay, vers sa wèk existé dans pays là. Parce que depuis un bon bout de temps, nèg qui rive optimum des affaires de l'État yo entend yo pour banaliser l'éducation. Malgré genan yo qui te entend, qui vini avec programme qui ka permettre beaucoup plus de moun à l'école, mais yo fait gargote là-dedans. En prend exemple Michel Joseph Matéli qui vini avec question FNE qui ka encourager beaucoup plus de moun à l'école, yo banalise le. Yo prend l'argent ça vous faire affaire pas. C'est juste pour me rejoindre nous côté ou garder divers espaces en dedans pays qui pa gen l'école ka fonctionner là-dedans yo. Takou côté qui gen foyer gang yo, les ti moun yo garder yo wè ces âmes qui kembe nan men moun ki nan zone la ki vin pa être comme modèle pour yo ki sa fè se kidnapper violer tout yon moun ki a fè et ben ensemble ti moun sa yo ou rann ke ou vin gang. Premier ministre Gary Koni nan ti la parole li sa ki te gen en Blaise Peterson ou apre ke l mete en pile accent sou ou commissaire ki nan Nations Unies kap défend droit moun. Est-ce que ti moun sa ki va kal l'école dans la Tibonite dans petite rivière li encore nan Kafoupe, nan Moupe, nan Lister, est-ce que ti moun sa yo, yo pa gen droit? Ou commissariat qui lié avec question a fait droit moun nan Nations Unies, est-ce que yo pa gen information sa? Ki sa yo produit comme rapport? Et c'est pas seulement rapport, parce que nous pa gen demande rapport, rapport avec action qui pose pour ensemble, dérive sa yo pa arrive à travers département yo. Moins ti moun yo kon li, moins ti moun yo à l'école, c'est moins ou jwenn plus ti moun k'ap rentre dans gang. Et ou apwè, UNICEF, nan sa ke ou produit comme rapport. Yo gade quantité ti moun plus passé 300 000 ti moun ki gaye tout partout nan des centres de refuge ki pa préparé pour recevoir yo, ki k'ap rentre ke ou trouve yo dans situation très difficile pour condition de vie yo. Je veux dire ki sa nous dit tête non, ki sa nous comprendre. L'en trouver dans une situation comme ça. Et nous ensemble des autorités qui tout simplement ont un comportement d'observatoire. Il y a observé. Si nous n'avons pas à l'école, ça c'est les affaires des parents, les affaires des familles, mais ce n'est pas l'État. Pendant, il y a oublié, c'est même la constitution qui dit qu'il y a à suivre, qui permet que l'autorité dans le pays, qui dit que si nous avons un droit pour y aller à l'école, pour y apprendre à lire et écrire. C'est même la constitution ça qui demande, il y a même qui a un cahier de sang, il y a même qui a une belle machine. Dans le pays, à coudre au pays, c'est même constitution ça qui demande l'État, il doit assurer mon yo, côté pour yo dormir, qui c'est droit au logement. Malheureusement, ça n'a pas jamais respecté. Là, nous avons un peuple qui suspend à souffrir faute de connaissances. Nous garantissons que le pays que nous avons là, qui était les pelles des Antilles, il a transformé en poubelle des Antilles, qui va travailler avec Magali habitant, qui a grand passé fatra sans l'été dans le pays. Là, ça nous prend à construire, il y a département, nous pral construit, yon état prospère, pour tout le monde qui sorti là dans le sentier, yon fier, parce que, en plus, haïtien perdit fierté aujourd'hui, hein, par rapport avec ça qui a passé là. Et, communauté occidentissant, l'explication, yon entend yon, pour yon rendre là son enfer, parce que nous, qu'est-ce qu'on valait, pas ici, hein, valait touristique et historique, yon, et combat que vous menez, comme petit pays, nègre estimé, si vous quittez pays ça, dans bien arrangé, côté gen l'union gen l'amour entre frères de même race de même nation ça et ben la difficile pour yo d'ailleurs Franklin de la Roosevelt te dit ça yo entend yo pour yo soulever nous yon contre l'autre qui capren que situation vient quatre fois plus difficile pour pays d'Haïti et de fait yo fait intérêt là-dedans parce que c'est yo même qui paye fabricant y a fabriqué cartouche yo fabriqué zam faut que je n'ai espace pour yo vendre moi-même et non discours premier ministre dans activité interfemme qui pratiquement organisée pour discuter sous droit mesdames yo gen en nous dit que femme actifi a violé dans minute que n'a parlé dans département la Tibonite il a détourné machine il a détourné camionnette bus avec femme actifi dans département la Tibonite pour rentrer dans base coco rassurance pour y faire viol collectif sur yo en dedans ça vient c'est ça qu'a pratiqué village de Dieu sans doute ça qu'a pratiqué
Nèg vout bay ou nan Mariani, c'est ça que yo fait. Descend, garder machine yo et femme qui plus en forme là dans l'eau. Yo prend yo fait servir objet sexuel en dedans base yo. Est-ce que autorité ou pas statué sur ça pour permettre que justice fait pour moun sa yo dans combat qui a mené pour rendre que sécurité tourner dans pays mais faut qu'on d'accord femme yo plus victime surtout madame Sarah yo avec ti moun que nous gagnent qui dans quartier côté gang yo a contrôler ou pas même besoin causer yo pas même besoin remer avec yo après on est venu pour comment ça passé commandant besoin descend à jeune commandant et sortant de là péripétie ti moun ça a commencé faut que moi au bon façon yo penser avec ça pour aborder problème là et poser des balises pour résoudre problème là pour ça pas jamais répéter en dedans pays encore la situation. Bon, venu avec Maria Isabel Salvador qui lui-même c'est chef Binion Haïti, lui-même qui était préparé dans Andy et atelier de travail interfemme qui était organisé hein. Bon, venu avec Maria Isabel Salvador lui-même qui était parlé tout. Et pour nous attendre qui ça madame Maria Isabel Salvador dit parce que pas oublier là yo renouvelé mandat Binion pour un an encore, c'est ma trompe. Mandat Binion retrouvé encore dans pays hein. Et est-ce que Maria Isabel Salvador présente un bilan positif de tant que le gars a gagné dans tête et Binion en Haïti. Nous pouvons regarder ça avec lui. Et je dis, est-ce que nous-mêmes qui en Haïti, qui à l'étranger, qui a observé le travail madame Maria Isabel Salvador fait dans tête Binion en Haïti, est-ce que nous sommes capables de parler de ça? Désir, il y a une nouvelle qui vient là à l'étranger, c'est un chavir dans l'échelle internationale. Après que gagne un président Donald Trump, qui lui-même, pendant qu'il était Pennsylvania, dans le cadre de campagne, pile 4 ou 4 tirés dans le bloc à côté, il a fait meeting, non? Et, c'est gardé ou gardé, les gars dit qu'on l'a approché pour prendre. Il y a eu que Zoé Donald Trump, ben, ensemble avec tout le monde, visage li. Bon, il y a eu pour moi, et puis ça a passé, mais. C'est touché, ça veut dire, nouvelle, ça veut dire que Donald Trump t'a touché par 4 ou 6 cartouches, t'a tiré. Mon cher, est-ce que c'est cartouche, il touche pas cartouche, qu'il ne pas connaît pour avoir des détails sur ça. Mais, l'image qui a vu dans pile média là, et même nous-mêmes dans mes sacs nouvelles, nous capables de voir que, imaginant que Zorem, que c'est Zorem droit, Trump, gagne pile 100 cap pour les ladons. Mais, gars, dit qu'on était guetté courir ensemble avec lui. Bon, nous pas connaît. Qui ça qui a la base pour tirer ça, yo? Et qui ça qui a la course, ça? Mais pas oublier, élection 5 novembre 2024, États-Unis, hein. C'est pas mon petit bagage petit. Sur 5 novembre, 2024 États-Unis, hein, les papes ont tibagabiti. Parce que Trump clairement montre que l'élection, ça, faut le reprendre pour qu'il tourne dans la tête États-Unis comme président. Et Joe Biden, même tout, monsieur, tout clairement montre que faut le kembe, faut le prendre un deuxième mandat derrière l'autre. La situation à Haïti, après le mettre Donald Trump à l'épreuve, si pas rien qui veut faire dans le pays d'Haïti par rapport avec Haïtien qui a vu le droit de Joe Biden. Joe Biden, qui est au pouvoir. En tout cas, les yeux, nous allons regarder ça. Et on vient avec Maria Isabel Salvador sous de César. Et bien, sous de César, non, mais sous ça, et quoi, bah, dialogue était Oui, je dis, présence faux autorité nationale, yo, ensemble avec représentants de société civile. C'est un message important qui témoignait espoir renouvelé avec un engagement renforcé nouveau gouvernement transition en. Dans la promotion à respect d'Ouamou en Haïti. L'importance du rapport intermédiaire ne peut être sous-estimée. Il représente une étape importante pour faire le point sur les avancées, mais aussi sur les défis dans la mise en œuvre des recommandations de l'EPU. Il est également une plateforme pour partager les bonnes pratiques, renforcer la coopération et envisager des solutions aux problèmes persistants en matière des droits de la personne. Je reconnais que cet exercice est loin d'être facile au regard des violations et abus des droits de l'homme qui ont été commis par les gangs depuis plusieurs années. Meurtres, viols, enlèvements des citoyens, mais aussi attaques et saccages des bâtiments publics, commissariats de police, tribunaux, hôpitaux, écoles, ne sont que quelques exemples. En face de cela, il y a une administration qui a vu ses personnels quitter le pays en masse et faire face à des grèves répétitives, notamment dans la justice. Mesdames et messieurs, depuis l'établissement en 2003 de l'examen périodique universel, la République d'Haïti a déjà achevé 3 examens dans ce cadre-là. À chaque examen, Haïti a démontré un engagement croissant en acceptant davantage des recommandations. 122 recommandations en 2011,
205 recommandations en 2022. Parmi ces dernières recommandations, quelques-unes m'intéressent particulièrement. Il y a d'abord les recommandations concernant les politiques publiques de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales et économiques. Elles sont déterminantes pour traiter les causes profondes qui sont le terreau de la crise que connaît le pays. Il y a ensuite celle relative à la lutte contre la corruption. Des initiatives importantes ont été initiées, et notamment à travers le travail de l'ULCC. Mais le mal est profond. Pour éradiquer la corruption, la société civile et le gouvernement doivent travailler de concert. La première pour la dénoncer et le second pour la réprimer. Enfin, il y a la promulgation d'un plan d'action national sur les droits de la personne. Je sais que ce plan est finalisé. Sa promulgation par les gouvernements de transition serait un signal extrêmement fort envoyé à la population, aux acteurs de la société civile et aux partenaires internationaux. Mesdames et messieurs, l'engagement du BINU et de sa section des droits de l'homme envers le Comité interministériel des droits de la personne, CIDP, et les autorités n'a pas faibli au cours de ces derniers mois en matière d'appui technique sur les questions des droits de la personne. En collaboration avec la Commission interaméricaine des droits de l'homme, CIDH, le BINU a par exemple organisé des journées de formation virtuelle pour des cadres de l'administration et des membres de la société civile sur la question de la soumission et le suivi des cas de violation des droits de l'homme devant la Commission. Le BINU a également fourni des équipements informatiques aux points focaux du CIDP dans plusieurs ministères à Port-au-Prince, mais aussi dans les régions, pour suivre de manière plus précise la mise en œuvre de l'EPU sur le terrain. Le BINU croit que le CIDP doit jouer et peut jouer un rôle crucial dans sa fonction de conseil auprès du gouvernement et des ministères sur les questions transversales affectant la pleine jouissance des droits des citoyens haïtiens. À cette occasion, je tiens à réaffirmer l'engagement ferme et décidé du BINU et des Nations Unies en Haïti à continuer de soutenir Haïti pour qu'il remplisse ses obligations internationales et cela conformément aux priorités nationales établies par les autorités de transition. Je suis convaincue que tous ceux présents ici aujourd'hui partagent le même engagement pour travailler ensemble en faveur de la stabilité, de la paix et de l'avenir de tous les Haïtiens et les Haïtiennes. J'ai l'honneur de prendre la parole ce matin à la cérémonie d'ouverture de cet atelier de consultation sur le projet de rapport mi-parcours au sujet de la mise en œuvre des recommandations du troisième cycle de l'examen périodique universel d'Haïti, organisé en partenariat avec la section des droits de l'homme du BINU. La réalisation de cet événement sous le haut patronage de la primature, traduit la volonté du gouvernement de placer la question des droits de l'homme au centre de ses priorités. Bien évidemment, avec de nouvelles orientations que le contexte actuel requiert. Qu'il me soit permis d'adresser toutes les félicitations de l'OPC au cadre du Comité interministériel des droits de la personne qui réalise un travail remarquable, non seulement dans la promotion du mécanisme, mais aussi et surtout dans la promotion et la production de tous les rapports périodiques et de leur suivi. Ainsi, conformément à sa mission en tant qu'institution indépendante nationale de promotion et de protection des droits humains, accréditée avec un statut A auprès de l'Alliance mondiale des institutions des droits de l'homme, l'OPC renouvelle son engagement à soutenir toutes les initiatives du gouvernement en vue de créer des conditions favorables au rétablissement de l'état de droit, à la paix
et à la jouissance des droits fondamentaux dans le pays. J'ai le plaisir de vous informer, dans le cadre de cette collaboration, que Maître Fadia Saint-Ville, chef de service de liaison avec les ONG de l'OPC, a été mise à disposition à de la primature. Mesdames, Messieurs, l'examen périodique universel mécanisme du Conseil des droits de l'homme, créé en mars 2006, en vertu de la résolution 6251 de l'Assemblée générale des Nations unies, s'inscrit dans une dynamique permettant à chaque État membre de déclarer tous les 4 ans et demi les mesures qu'ils ont adoptées pour améliorer la situation des droits de l'homme dans leur pays et pour surmonter les obstacles à l'exercice de ces droits. Recevoir des recommandations d'autres États membres des Nations unies s'appuyant sur des contributions des différentes parties prenantes en partie. Ça, c'est parole ensemble de acteurs et ensemble d'acteurs et qui ont même été participé dans l'activité ça que Andy et plusieurs Andy organes qui organisent activité ça dans dialogue interfemme ça pour faire mesdames connaître droit yo et comment pour protéger droit yo bien que en Haïti nous connaît que mesdames nous yo je sais pas mes catégories monde qui plus victime dans société hein. Ah oui catégorie moun ki plus victime dans société a c'est pas mi moun sa yo gè fòm yo gè ti moun yo gè gran moun yo gè handicapé yo c'est de moun ki victime en pile dans société yo et surtout dans période sa gen la période sa question et zak bandi armé k ap kouy fè moun kouy kite la kayo k ap pousse do moun yo k ap fè si k ap fè sa yo et bien ensemble de sa yo la cause que jodi a mesdames yo victime en pile par rapport avec situation ça fè mesdames yo connaît droit yo protéger droit mesdames yo. Ça veut dire paquet de bagay, parce que quelque part, situation lui-même, lui paraît vraiment compliqué, parce que là, les gens de moun dans le pays, ça, qui pas bay mesdames, importance que vous devez gagner, qui pas bay mesdames, et qui pas bay mesdames, place, yo, parce que jusqu'à présent, bon question de quota de traite pour ça qu'a parlé en de l'État, yo. Jusqu'à présent, moi même quoi que le respecter, même, question de quota de traite pour ça, ça m'a quoi le respecter. Ça, c'est un problème, et je dis, mesdames, yo, yo plus exposé, yo plus flexible, yo plus bagarre parce que les rives vont côté c'est eux même yo plus souvent utilisé et nous on dit là yo utilisé comme instrument pour permettre que yo fait passage sous d'eau yo sous yo alors que au fond mesdames yo pas vraiment bénéficier ça pour bénéficier hein. Et je dis en tout les dis avec femme yo mesdames yo et quel que soit en Haïti ou à l'étranger des bousses haïtien nous connaît que au gain droit gain de droit qu'on gagne. Et même là où il y a des groupes qui ont violé, mais goumé pour que droit qu'on gagne soit capable de respecter. Parce que ou gagne droit pas, ou gagne droit dans la société. Et surtout, mesdames haïtiennes, ça fait aujourd'hui pas normal. Comment on est parce qu'on gagne des âmes dans la main? Eh bien, parce qu'on gagne des âmes dans la main, au cas si on a tué, fiant, il n'y a pas ménage, il n'y a pas madame, ok? Et vous décidez pour coucher à cause des âmes qu'on gagne dans la main, ou violer. Et si toutefois qu'elle pas voulu rentrer dans rapport avec vous, ou tout yel, ça arrivé en bas la Tibonite, avec tout, comment, basse gregri. Alexandre. Exactement. Ça arrivé dans Carrefourfeuille. Ça veut dire, je dis, hein, parce que bataille, pour faire catégorie moun sa, ou qui se mesdames dans la société haïtienne, que le respecte, hein, faut nous gommer pour ça. Et faut une bataille pour ça, parce que le respecte les yeux. Qu'elle va venir avec Jean-Michel Lapeta, comme ça. Mesdames, yo besoin de rôle pas au tout blessé personne pour faire droit yo respecter. Parce que en pile fois, mesdames, yo considérer tête yo en premier lieu comme objet et parce que ça a été fait on fois. Mesdames, yo tout simplement gagné le droit pour hériter, faire ménage dans caille qui pas gagné droit pour le travail à partir des combats qui menaient qui rendent que mesdames yo bon quota de 30%. Mesdames, yo peut affronter en regarder sur scène politique haïtienne. Combien femmes que ouais qui brillent en regarder la presse haïtienne. Combien de femmes qui ont entendu, qui ont oublié, parce qu'en pile, ils ne peuvent pas comprendre que ils n'ont pas qu'à affronter, qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas qu'à faire. Et comme ça, tout, il y a une question de féministes qui ont pile problème des personnes. Qui, en pile, fois apporter dans la tête, mesdames, qui ont égal avec garçon, ça lui permet, en pile, fois que le foyer n'est pas équilibré. OK? Moi-même, je souhaite que mesdames assument responsabilité, parce que ils ont bien responsabilité, en est dans la famille.
y a une responsabilité dans la décision sociale, culturelle, politique qui prend dans le pays. Les, c'est pour victimes, c'est eux-mêmes qui plus victimes, comme Madame Sarah, comme commerçant, qui a fréquenté ensemble d'espace, et même eux-mêmes tout qui peut postuler pour capable de faire un job. Directeur, administrateur, entendre pour utiliser yo pour capable de faire un petit job. Les ça, si mesdames étaient prêts à vous, prêts à vous, vous êtes bien choisi, ou bien vous êtes bien mené des marches, vous êtes mené cause, vous avez des bagages qui a privé, qui pas ta privé. Et nous pas qu'attendre pour jouer un pays qui est équilibré, tant que Jean Roosevelt, Jean Chantel, donner le monde aux femmes. Parce que selon lui, l'Iwa, c'est un être qui fait avec l'amour, qui a empêché la guerre à travers le monde. Est-ce que nous allons mettre Haïti, je dis, hein, sous contrôle d'une équipe femme? Qui côté a mené? Personne ne connaît, mais c'est pas là que nous, mesdames, nous besoin continuer intégrer et continuer bataille presque chaque jour. Bien content? Non, décision, c'est là. Non, si t'as parlé, c'est là. Responsable Buni, hein, responsable OPC, Premier ministre Gary Conny, il a montré qu'il est important pour mesdames jouer une justice par rapport avec ça qu'on est en dedans pays et aux ses principales victimes des dèques Axamio et au lieu arrangé Maria Isabel Salvador qui est représentant Bini dans le pays d'Haïti qui prend la parole comme représentant des Nations Unies. Je dis Nations Unies ça qui a passé yo, yo gen jeu, yo rive comprendre, yo gen moyen nécessaire. Ensemble des pays qui fait partie des Nations Unies, il y a des moyens pour aider les pays à sortir dans sa lia, pour droit femme de suspendre violée, pour droit team de suspendre violée. Mais non, il n'y a pas de direction ça. Combien de temps il y a plein et qui savent dépasser encore pour arriver et faire vraie mission ça en dedans pays en situation. J'aime bien dire la désirée, nous allons venir avec ancien PM Jean-Michel Lapé, sous monsieur était ancien premier ministre sous Jovenel Moïse. Monsieur qui était présent dans l'émission Analyse sous Téléradio Métropole. Journée, alors samedi qui était 13 juillet. Hein? PM Jean-Michel Lapin, dans le micro et confrère nous, monsieur dit appel parole. Monsieur dit appel parole et parole monsieur Dio. Il y a demandé pour nous analyser, pour nous questionner, parce que pas oublier Jean-Michel Lapin. Monsieur fait toute son carrière dans l'État jusqu'à ce qu'il arrive comme premier ministre. Et donc là, moi, c'est que société en pays, hein, il est toujours bon pour nous être capable d'entendre deux mondes, des acteurs politiques, deux mondes qui dépassent dans l'État. Qui compréhension, qui lecture de sa capacité là? Parce que, pas oublier, je dis nous ça, ça n'a vivre là, lycée mauvaise gouvernance, lycée mauvaise administration, que la dernière année, que classe politique a remis nous là, oligarque corrompu a remis nous là, la communauté occidentale a remis nous là, je dis, hein, faut nous garder ça et faut analyser les événements. Très bien. Oh, organisation élection. Ou dit violent ou pas accordé pour même ce qui action ta domaine pour estimer que yo sont même longueur d'onde. Moi pense responsabilité a pour ça qui a passé à CCPT. Parce que à l'installation ou du moins à la prise de fonction de monsieur Conny, CPT a dû remettre les documents qui gagnent les grandes lignes d'action, les priorités du gouvernement, feuille de route. Et lui-même, il a pris pour responsabilité, c'est à partir de là. Il a regardé qui j'ai voulu transformer grandes lignes en action et qui a bali et facilité qu'on y a pour les chercher moun, pour le mettre dans le ministère. Parce que c'est ça, gestion publique là, c'est d'abord la conception, la planification et l'exécution. Exécution, c'est avec moun. Donc, bagay ça a mien là, l'imande 1, 2, 3 comme action, et défini, identifié. Donc, la capable pône, c'est telle ressource humaine, c'est telle compétence qui est capable peut-être pour tes résultats dans la situation. Ça. Est-ce que l'absence de cohésion, ça n'a pas risqué empêcher machine dans le marché? Machine non bloquée. Hein? Moi, pour moi-même, ça m'a gardé là, moi, ouais, machine non bloquée. Parce que, ou gagne un gouvernement avec, bon, qui capable peut-être gagne un pile compétence sous papier. Hein? Un pile compétence sous papier, moi, répétez-le. Sans pour autant pas gagner habitude ou expérience dans les affaires de gestion publique. Hein? Non, malheureusement, on a constaté ça de gouvernement en gouvernement. C'est toujours des décisions politiques qui primaient pour yon bay, yon moun et yon ministère. Ça va vous dire que moun n'a pas gagné compétence, non? Mais, non, poko vle d'accord
que gestion publique là sont sciences liées même bien à toute l'autre science. Mm-hmm. Donc c'est ça on a constaté là un gouvernement à la grande majorité avec des novices dans ces gestion publique et ça va prendre longtemps pour apprendre machine et moi j'ai pile inquiétude particulièrement par rapport au ministère de l'économie est-ce que, et des est-ce que c'est pas un problème vous êtes payé en CPM et Jean-Michel Lapin en CPM Jean-Michel Lapin ou la désir oui Jean-Michel Lapin hein? Monsieur dit que machine non bloquée mm-hmm. L'aide dit machine non bloquée ça veut dire gouvernement connu et conseil présidentiel yo. Monsieur dame pas veut montrer ça mais mon cap suivre mm-hmm. Et mon qui li nanti lettre fin mm-hmm. Il y a un blocage et ça en CPM connu avancé hein. Alors pardon en CPM Michel Lapé avancé hein. C'est bien moi même dit tout à fait normal mm-hmm. Parce que jusqu'à présent accord 3 avril qui a couché CPT1 mm-hmm. Il faut que j'aime sortir dans le journal payant le moniteur mm-hmm. Et c'est à quoi 3 avril, là, c'est lui qui fait 2 août, CPT1 et gouvernement. Gouvernement, très bien. Et c'est Gary Conny, c'est deuxième tête exécutif, là, mm-hmm. qui t'apprête à exécuter paye 2 août, qui mette campé conseil présidentiel. Appelez ça me dire non? Ensemble de partis, ensemble de secteurs qui te voyaient, qui mettaient campé conseil, qui vous présentaient, ils ont été travaillé sur un document. Ils ont été le 3 avril 2024. Mm-hmm. Et le document, ça a été clairement dit. C'est le premier ministre qui va venir avec le gouvernement là, qui va exécuter le paye de août ça. Et à quoi 3 avril là? Et jusqu'à un moment, on a parlé à la désir. Eh bien, document ça, à 3 avril, là, il faut que j'aime publier dans le journal officiel Le Moniteur. Mm-hmm. Et si je dis, parce que ça va être un problème, non? PM Koni, documenté qu'a toujours publié, et puis il y a le document pour dire, bon, mais ça va l'exécuter lui-même, il fait des actions qui peut être, qui lié et qui en dedans, point, dans à 3 avril, là, oui? Ce qui va déranger, non? Depuis ça, l'a fait, yo. Yo pas or, yo pas en parallèle, yo pas opposé avec ça qui dit dans le document à 3 avril, il pas ta problème. Mais c'est parce que kounya document pas publié, c'est vrai PM dans compte document, mais on dit étatiquement, il pas sorti, kounya ou capable dit que PM koni l'a exécuté plan pal feuille de route pal, ça veut dire il pas dans question à 3 avril là. Bien que à 3 avril là il était déjà violé selon le monde. Très bien, ça me t'a pas dit. Depuis qu'on a mis le campé conseil, dans la prestation serment, dans l'installation, dans ensemble de bagailles, et venir avec le président conseil. Parce que, comme tu dit, c'était en majorité 4 sous 7 qui voulaient dégager. Les pour capable mettre au monde comme président conseil. Et les qui pas fait ça, ils ont fait sous base de consensus. Que de ça, c'est la population que l'on. Oui, très bien. Et c'est là, dès que d'après commencer. Et là encore que les groupes ont imposé et Fritz Belizia comme bon Jean que et un sénateur Maurice Chalmé. Là déjà c'est un ensemble de violations. Eh ben connait là connait lui-même tout connait son intelligence, son autorité. Et jusqu'à présent président conseil a choisi sous base consensus ce qui pratiquement en dehors accord 3 avril 2024 que tout y a parlé à et bien connait qui vini je dis en blessé personne. Quand il vient ici, non soit que monsieur songe, gain ensemble de monde qui a avancé pour dire, c'est une imposition qui a été faite avec tout conseiller présidentiel où il a été voté à l'unanimité, celle et Laurent Saint-Cyr qui n'a pas voté parce que le secteur privé des affaires là, il était pratiquement dans jouet là, Laurent Saint-Cyr était obligé de quitter le pays pour. Pour voter pas de fait à l'unanimité, pour pas montrer que vous même qui dans le secteur privé des affaires là, vous même vous pas voter tête. Et parlier tout, gagner dénonciation de corruption, de gros l'argent qui baille dans la question bagaille, vote si là. Et Gary Conny, très pétard avec les gars, l'argent jouet coquin.
Abriye, en pile moun gade gare koni comme yon gou, comme yon gou gère à la tortue numéro de la situation. Li pratique kon fè de ou, ke l'vin avè. Ou après que gare koni a avancé là. Non sorti gare koni pour la Washington DC, la situation, li pratiquement éclaté bagay là. Ou après Moïse Charles, qui gen entreprise li nan la ria, nan fè mobilisation, pour le cap attirer attention pour jouer plus bagay. Et Moïse Charles rappelé, li d'accord, en partie que bien partage à tout parce que le ministère de l'agriculture et le ministère de l'environnement c'est Bali ou pas Bali ni pas pété et tout rappeler avec Gary Koni qu'il pas gon carte blanche n'importe là n'importe l'obé qui a pété contre le gouvernement de cette personne. Ça veut dire nous devons être prudents, nous gon pays cap goumé cap essayer d'entrer tranché par ensemble autorité qui là yo qui pas capable porter rien de sérieux comme changement. Mais si on gon paquet bagay que on doit faire et nous ta critique conseil présidentiel là il pral gain 3 mois depuis yo installé en fonction de la situation. Ça peut être donc énumérer les grandes actions que vous posez qui portent résultat pour population. On a bien aimé que c'est moi qui cap gardé qui a peut-être équitatif qui première grande action que ouais conseil présidentiel yo avec gouvernement qui déjà monté là, yo monté gouvernement aussi rapide tant que Jean Moïse Jean Charles te dit. Mais monté gouvernement a qui fait qui ça que déjà fait là, je dis qui montrer que le peuple a pas joindre soulagement. Si n'a regardé moi-même, t'as qu'à dire que me pas rien. Peut-être je mon cap garder cap tande yo qui doit ouais plus loin passer nos blessures personne yo cap ouais qui ça CPTA et conseil avec gouvernement et exactement qui ça déjà réalisé. On avance avec Jean-Michel Lapin. Problème, est-ce que c'est problème monde qui gagne ou bien tout c'est parce que monde qui là pas fait assez de crédit qui fait c'est... que yo pas prendre des monde qui habitué à rouage l'état. Mais pas quoi c'est problème monde qui gagne, nous gagne assez de compétences. Moi dis déjà et m'a répété le entre ministère finance, ministère planification, ministère affaires étrangères, la primature, ou gain compétence pour faire 4 gouvernements même jour. Donc, c'est toujours une approche politique. Faut qu'on d'accord tout que décision ça qui mène nous à format de gouvernance que nous gain là, hein, on s'est pété avec 9 membres. Donc, son décision politique liée. Et décision politique yo à chaque fois nous retrouver nous dans situation ça parce que son parce héritage à réalité nous on voilà. Bail résultat c'est de... son héritage qui grandit qui vient mettre dans ça là donc yo pas jamais porter rien donc hein, après 86 et 2004 hein, etc etc donc et c'est là moi même inquiétude chita donc moi attendre moi dans les prochains jours. M'pas d'accord avec tendance critique qui prend forme, opposition qui prend forme, qui cherche contenu qui t'a remis l'autre transition. Non, moi, je crois que côté à privé, particulièrement dans 90 jours gouvernement, il est obligé de faire des rodages. C'est exactement ce que ça me doit le poser. On doit dire que dans environ 2 semaines, CPT a bien 90 jours depuis l'installer. Donc, est-ce qu'on estime la période de grâce là, monsieur, on a bien bougé ou bien tout a gagné des remaniements, des changements en termes de stratégie et en termes de ressources humaines tout? Parce que si il y a des gens qui n'ont pas de résultats, il y a un côté, il faut qu'ils mettent l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais là, non, je pense que Lyon-Tijan trop pressant pour nous parler de bilan. Là, on voulait entrer dans le bilan CPT, non. Et CPT a lui-même qui, comme moi t'ai dit tout à l'heure, qui perd du temps pendant qu'il y a cherché un leadership de gouvernance. Ou élection fin faite, il était d'accord avec le président, après contestation, il dit qu'il y avait une présidence tout note. Etc. Et faut que nous après appeler, faut que nous d'accord, nous avons gouvernance publique, nous avons gestion publique. Bon, situation permet nous tout, nous avons gardé, il y a des mounes dans le temps, il y a 20 ans, 30 ans et même plus, qu'on a vendu société comme des experts en gestion publique. Et qui pas de jambe de chance, effectivement, de responsabilité de gestion publique. Et je dis à la pourrait que ça, y'a ta bonne noix, c'est pas ça. Ouais. Donc, moi, je pensais que, effectivement, c'est pédable de un pile temps pour, c'est des secteurs politiques. Et de chaque conseiller politique, gain des secteurs, encore des secteurs politiques. Et intérêt au bas même, ni politiquement, ni économiquement. Et
Malheureusement, dans l'installation ou bien dans la prise de fonction CPTA, il y a une bataille électorale qui a commencé. Donc, je dis à la situation de Moutijan plus grave, parce qu'avec le Premier ministre Kony, qui est même pratiquement prêt toute responsabilité de réussite et transition, parce que c'est la première fois dans l'histoire du pays, ça, hein, depuis nous gagnons un système bicéphale hein, avec un Premier ministre, c'est la première fois que nous gagnons un Premier ministre qui gagne 5 ministères régaliens là-dedans. Qui gagne droit de gestion sur 5 ministères régaliens. Qui est-ce là-dedans? Ah bon, ministère des Finances, ministère de Planification, ministère des Affaires étrangères, ministère de l'Intérieur et autres. Donc, là, dans le temps normal des choses, un Premier ministre pas même tu es capable à demander de gagner une dans ce que ça nous a donné là. Donc, pour moi-même, le Premier ministre là prend toute responsabilité de réussite ou d'échec de la transition. Et c'est là qu'il contrôle la machine là jusqu'à présent. Est-ce que ce n'est pas une assurance que le lien a pris ici qui fait poser action ça comme ça? Et en gestion publique, au départ, on a parlé d'assurance de réussite. Hein, parce que c'est pas où qu'elle fait tout le bagaille. C'est une question de système d'exécution. Donc, on prend par exemple le ministère des Finances, qui c'est épine dorsale, machine étatique là. Hein? Donc, qui j'ai une relation aujourd'hui là, entre ministre là, avec le chef de cabinet, d'après les informations qui partent dans le système là, hein, ministre là qui est là dans le bon titan, mais qui est sorti, détail qui est là dans le jodia, c'est pas la même réalité là. Donc ça prend le temps pour le comprendre machine là, hein, et qu'on y a pour l'orienter vers objectif que le gouvernement a. Là, si gagne Rita la donne, moi presque quoi que j'aimerais dire déjà, à partir du 1er octobre, m'a con qui est-ce? Il conseille. Est-ce que c'est pour le ministre ou bien qui ministre qui vient annoncer peuple là que 7 février 2026 là, pas qu'à respecter? Ah, vous êtes anticipé? Moi bien dit, m'a répété encore, à la date du 1er août, au chien qui vient là, si pas gagne des actions qui allaient vers la création d'un conseil électoral, vers le renforcement de l'ONI, pour nous connaître qui ça électoral, je dis, parce que moun qui était et qui déplacé, qui était peigné, qui était quoi des bouquets, hein, qui assuré, côté oyé. Ça gagne qui mourir là-dedans, gagne qui parti, etc. Donc, gagne, doué, gagne. Mineur qui vient de majeur, tout. Justement, gagne nécessairement, doué gagne un programme de renforcement de l'Office national d'identification, hein, qui doit déboucher dans tout pays, hein, à travers les collectivités territoriales, avec. Là, désir l'en garder ça, Livin dit nous qui ça. Et ouais, c'est vrai, PM nan. Koni montre que PM Koni montre que alors comme si pour empêcher que comme si de ministères qui c'est des ministères régaliens des ministères qui c'est des ministères clés on va prendre je tiens donc planification intérieure et finances affaires étrangères tout ça yo ça montre que clairement avec qui ça. Ça montre que, clairement, selon ancien PM Jean-Michel Lapin, ça, li pas dit que PM n'a pas ka bay résultat avec ministère régalien ça ou non, mais, li montre que, est-ce que le fait que c'est PM n'a contrôle tout ministère ça yo, qui ça sap kal ka bay comme résultat? Parce que li vin trop pression sous doul. Bon, c'est vrai, moun ki mette dans le ministère sa yo, et qui doit se de moun ki li gen habiti de travail ensemble avec yo, mais qui habiti de travail ensemble avec yo, c'est pas là. Parce que là, c'est un gouvernement. Là, c'est ministère. Et vim prend pays à un contexte difficile comme ça,
C'est là le problème qu'on a posé. Et là le problème qu'on a posé, donc ça, on pense que Désir Venès, que la situation, lui paraît vraiment, vraiment compliquée et vraiment difficile par rapport avec sa gain comme situation. Est-ce que nous prenons le capable, exactement, joindre que le gouvernement pourrait réussir ou pas, que l'île dit trop bon, pour nous parler de 90 jours pour le gouvernement, ça, pour nous parler de bilan pour lui. En tout cas, c'est ça qu'a dit mon côté, et puis ancien PM, Jean-Michel Lapin des Yvenès, que l'irrité pour nous dire merci, et pour nous, par contre, histoire, on va ajouter ce bail tout petit. Bon, et ancien PM, Jean-Michel Lapin, lui montrer que à partir des 1er août, Cap vient là, au Cap saisi, ouais, monsieur Damien qui est dans le conseil présidentiel de transition, et gouvernement senti que 7 février 2026, qui t'a donné un président qui arrivait élu pour renouveler les personnels politique, monsieur Kavin dit non, il pas capable pour gagner une éventuelle continuité d'Ariel Henry qui t'a fait 32 mois en rien pas privé fait la situation. C'est une situation qui va être très grave et ou pas vraiment ouais volonté bon côté acteur de chaque peut-être obsession bagaille, si la capable rappeler et premier ministre ou pas gain droit comporter en mettre pays en mettre pouvoir et si la capable dire bagaille carte blanche, et bien situation paraît extrêmement compliquée pour pays, c'est affaire que peuple a doit arranger la situation pour garder position pour arranger pour capable avancer capable que la République prend escape figure la situation. Merci Désir Venès à croiser dans mitan journée pour émission parler pour changement. Merci de la situation. Merci tout le monde. Restez fidèles avec ensemble Média Sao, Blaise Info, Point Nouvelle, Votre Calbas Info, Racine Nouvelle Haïti, Mensac Nouvelle, Met Affaire, Met Causea. Et si vous faites tomber sur la plateforme Sao, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater aucune émission qui n'a bien pour présenter. Merci tout le monde. Dans la croisée, dans la mi-temps journée, dans Parler pour changement.